Mais ils ont de quoi le remplir. Hein. Oh, mais enfin, c'est tout ce que tu regardes. Regarde, c'est beau. Ouais. Ben, ça vaut pas une grille de la Rimange. Ça sent pas le vieux, le bel ouvrage. Mais pourquoi tu voudrais que ça sente le vieux? On est au Nouveau Monde, c'est Vancouver. Ouais. Allez, viens. Can you pull over for 2 minutes, please? Thanks. Il m'a cassé toute mon élan, cette connerie-là. Merci, Steve. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à la petite Noémie? Ah, oh, puis tes cousins, ils sont pénibles. Pourquoi on irait passer du temps avec eux? Il est en colère? Non, mais c'est vrai. Pourquoi on irait sur cette île-là avec eux? Cyril avec ses allusions. Oh, sœur Noémie est de retour, ou bien? Ah, oh, puis ta cousine... Oh non, mais maman n'a pas su vraiment me dire qu'est-ce que tu essayais de faire avec ces Indiens.
Non mais quelle nouille! Non mais comment il dit déjà, Renaud? On choisit sa famille, mais non, pas... Non, 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 c'est on choisit ses copains, mais rarement sa famille. Mm. T'es vache, là, elle est sympa, alors. Ah oui, le couple d'enfer. Oui? Allô? Oui, je voudrais parler à la super minette numéro 2. Non, parce que j'ai ma femme qui est en train de me péter un câble, là, et... Ben, en plus, je dois lui faire une petite livraison, et... Ben, c'est... Oui, allô? Oui, c'est moi. C'est moi, super minette numéro... en fait, il n'y a pas de numéro, parce que je suis super. C'est moi, là. Vous n'arriveriez jamais. Il faut dire votre retraite paradisiaque est au bout du monde. Salut. Ça va? Allez, viens. Oui, mais on fait le tour du propriétaire. C'est vraiment tranquille ici, hein? Vous avez l'air bien. Ah oui, c'est la Méditerranée, je vous l'ai dit. Avec ses pins, la mer bleue, c'est super calme en plus. Et les montagnes en toile de fond. Vous avez même du romarin, puis de la menthe et du thym dans le jardin. C'est vraiment le paradis ici. Hein? Mmh. Ça sent tellement bon. Ça me rappelle toute mon enfance. T'as grandi sur une île? Oh non, non, non. Moi, j'ai grandi à San Francisco. Mes parents travaillaient à Berkeley, à l'université. Mais tu vois, la famille de ma mère, par exemple, vient du Québec, puis mes grands-parents avaient une ferme sur l'île d'Orléans pour les pommes. Puis ils avaient un petit coin herbe de Provence. Et l'été, quand le soleil tapait, ça sentait tellement bon, là. Oh, tu vois, à chacun ses souvenirs. Moi, mes grands-parents, ils habitaient un petit village dans la plaine du Forêt. Et en haut du village, il y avait une place forte avec un clocher. Et je me rappelle d'une petite porte qui donnait sur le jardin des moines. Et là aussi, il y avait tout un tas de plantes, du thym, des plantes médicinales. Ça doit être ça qui m'a donné l'envie de me lancer dans la profession d'apothicaire, comme dit mon cher et tendre mari. Apothicaire. Tu fais des potions magiques? Non. Il n'y a vraiment que Cyril pour me traiter d'apothicaire. En fait, je suis spécialisée dans la cosmétique et les soins du corps. Avant qu'on ne vienne à Vancouver, je travaillais au centre de thalassothérapie de Louison Bobet à Quiberon. Hey, mais Quiberon, hey, c'est loin de Paris, ça. Comment vous faisiez avec Cyril? Bah, comment on faisait? On se voyait les week-ends. Et toi, Noémie, ton travail? Oh, moi, parle-moi-en pas. Je viens d'enchaîner un congrès à Budapest, une conférence à Houston. De toute manière, Marc était absent tout le mois dernier. Anyway, c'est les vacances. C'est magnifique ici. J'ai mes cahiers à dessin. Je veux juste déconnecter. Oui. Il y a un super coucher de soleil. Ouais. Tu sais, vous êtes au bout du monde ici. Hein? On peut difficilement faire plus reculer. Tiens, plein ouest, là. T'as l'île de Vancouver. Puis après... 5000 bornes de Pacifique qui a été chez les Japs. Oh bah c'est sympa, hein. Mmh. Ah, ils sont assez baba cool ici, hein. Mmh. Ils font marrer. Ils sont pas énervés, hein. Ils font marrer avec leurs sandales. Ouais, leurs sandales et leurs chaussettes en laine. Oh, ça c'est le look qui tue. Tu vois une super blonde qui te regarde droit dans les yeux comme ça, alors tu baisses le regard histoire de faire le tour du propriétaire et... T'as un corps de déesse grecque. Putain, mais pourquoi faut qu'elles mettent des chaussettes en laine dans leurs sandales, ça? Moi, du coup, maintenant, je regarde droit devant, je coupe au niveau des cuisses. C'est là que ça se passe, alors. Tranquille. Attends, c'est que parfois, il y a des petits trésors sous les chaussettes en laine. Ouais. Et je peux savoir comment vous avez atterri ici? C'est le DG de la boîte. Je lui ai demandé un endroit sympa pour passer des vacances et ensoleillé.
ça n'a pas un moment. Ce qui est chiant, c'est qu'on capte pas vraiment l'internet. C'est le trou du cul du monde ici. Bon, attends, mais c'est ça le deal. C'est pour pas refaire ton expérience côte ouest, hein. Dans ta petite mallette du cadre français expatrié sur la côte ouest, bah, ils ont mis un séjour sur une île du Golfe avec dames et chaussettes en chaussettes en laine, et puis voilà. Tu crois? Oh, ouais. Enfin, c'est sympa de nous avoir invités. Bon, c'est tout naturel, hein. Puis, j'ai quand même fait mes recherches. L'île du bout du monde, elle a ce trésor caché. Ouais. Tu me donnes de la bouche, là. C'est quoi, ces trésors cachés? Alors, les hommes, vous n'avez pas encore descendu les bagages? Ouais, on arrive. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est beau. Ah, puis ça a l'air cool aussi. Hein. Ben, j'espère bien que c'est cool, parce que pour y arriver, puis Cyril... Quoi, Cyril? Ben là, t'as pas remarqué. Déjà là, avec toutes ces allusions, puis quand t'arrives, puis que t'as l'impression qu'il te déshabille sur le gars. Il est un peu porté sur la chose, Cyril. Il est pas méchant. Ben, j'espère bien qu'il est pas méchant, parce que moi, c'est pas par Cyril que j'ai envie de me faire croquer. C'est les envies du petit chaperon rouge qui reviennent. Vous êtes partant pour un petit kir? Ah ouais, on arrive! C'est pas vrai, il est toujours comme ça. Ici, l'apéro, c'est sacré. Hein? Et je réserve mon ticket de croqueur. Ah, moi, je peux pas t'assurer qu'à minuit, le petit chaperon rouge, il sera pas couché sur ses deux oreilles en train de dormir. Hein? Mais je fais quoi, moi? Je croque ou je bois? Mais tu sais, l'apéro, c'est sacré. Alors, les amoureuses, on a mis du temps, là, pour défaire vos bagages. C'est l'effet aphrodisiaque de l'île. Ouais, on va dire comme ça, ouais. Bon, monsieur l'expert en effet aphrodisiaque, qu'est-ce que tu nous sers à boire? Ouais, expert en aphrodisiaque. Bon, bah, je vais mettre ma casquette de chef. Je vous propose un petit vin blanc de Touraine. Ensuite, tomate provençale, coquille Saint-Jacques et puis la crème brûlée. Ça va? Puis le kir, il est où? Bah, oui, bien entendu. Le kir d'abord, le vin blanc et le tutti quanti. On reste? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine sur l'île? Débrancher la prise. On est tellement bien ici. Ouais, puis explorer l'île. Et vous savez que Galliano a été le premier endroit en Colombie-Britannique où il y a eu des mariages mixtes entre les Premières Nations et les Européens. Ouais, tu parles, les mecs, quand ils devaient descendre de bateau, ils devaient sauter sur tout ce qui bouge. Attends, non, arrête, non, non, non. Vraies histoires d'amour. D'ailleurs, il y a encore des descendants qui vivent sur l'île. Je crois que dans les années 70, il y avait encore 2-3 familles qui tenaient l'économie. Attends, Marc, des histoires d'amour. Mais pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour possible pour des gars qui arrivent le sabre entre les dents, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu étais pas, non? Si on passait aux choses sérieuses. Bah, c'est sérieux, Laure, l'amour, c'est sérieux. Faut en prendre deux. On est vraiment bien ici. Puis en plus, c'est bon. Oh, je suis saoule. Allez, on avance, le petit chaperon rouge. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, là? Mais qu'est-ce que je fais? Le petit Mac, il a oublié le deal qu'il a fait avec sa petite femme ce soir? Mais c'est quoi, le deal? Mais j'ai envie de croquer, moi. Ben là, il va falloir que t'ailles voir Cyril, parce que là, moi, je tiens plus debout. Puis en plus, tu vas aller te promener demain, là.
Oui, mon craqueur. Bah, tu parles d'une physicienne qui aime filer sous le bec. Une petite physicienne. Allez tout le monde, on respire bien fort. C'est le meilleur moyen d'enlever les toxines. L'air marin filtré par les pins Spinoza. Ouais, bah ça vaut pas le pain des Landes. Oh, il est jamais content. Bah non, enfin je dis juste pain des Landes, les pins Spinoza. Je sens rien moi ici, je suis désolé, je sens rien. J'ai le nez bouché, je sens rien. Mais on te demande pas de sentir. Bah j'avais envie de libérer mes toxines moi aussi. Oh, il est fatigant. Oh, c'est pas le pain des Landes, hein, mais moi je pense que je préfère ça. Attends, je rêve. T'es déjà allée dans les Landes, Noémie? Ah, attention Noémie, tu viens de dire ta première bêtise du séjour. Tu préfères ici, tu couches dehors. Au cas où t'avais pas remarqué, Monsieur Cyril est un peu chauvin. Attends, les Landes c'est beau, mais enfin bon, c'est beau ici. C'est pas possible. Ils nous l'ont canadianisé. Ça fait longtemps que t'es pas retourné en France, toi? Bah attends, en toutes les années. Bah je crois que le Canada, doucement, à dose homéopathique, transforme ses émigrants pour leur retirer le goût pour les vraies choses. Voyons les vraies choses, Cyril. Le pain des Landes et la marée. Ta petite Québécoise, elle devrait peut-être aller construire une cabane au fond des bois. Hein. Hop, 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 hop. Ah, bah voilà, t'as marché dedans. Oh, c'est mal. C'est mal, hein. Oh, bah ici, les crottes, tu marches dedans, tu marches du sable, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est vrai, Cyril. Hein. Nous, on ramasse après notre chien. Il n'y en a pas de crottes ici. Hein. Puis si jamais il y a une crotte, bah elle sent rien. Faut que t'es sauvé. C'est une conspiration. Une conspiration. Bon, monsieur, mesdames, ce ne sont pas les pins des Landes, mais nous voici arrivés à destination et on espère que la journée vous plaira. Belle la vie. C'est quand même pas mal ici. Hein. C'est cool. Hein. Eh, c'est quand même pas moi qui vais me plaindre. Hein. Non, parce que il y a un truc sympa sur cette île. Si j'ai bien compris, c'est pas l'odeur des pins. La mer, on la sent pas. Je déconne quand je dis des trucs comme ça. Non, non, le truc sympa, c'est quand tu peux allier l'endroit sauvage et la technologie. Et que c'est l'endroit sauvage qui te sort de la technologie. T'as là, j'ai peur de pas te suivre sur ce coup-là. Là. Bah, tu vois, je disais que on n'avait pas accès à Internet. Bah, la dernière fois, en descendant au port, justement, j'ai trouvé un petit café avec l'accès à Internet. Qui sentait bon le pain des Landes? Non, il sentait pas le pain des Landes. Non. C'est juste que j'ai discuté 5 minutes avec la patronne et puis bah, il n'y avait personne dans son estanco, alors. Quand il y a une opportunité, hein, pas tenter la bête. Hein. Et dans le café? Oui, puis sur l'embarcadère du ferry aussi, pendant qu'il est dans le côté con, c'est pas possible. Attends. Mais non, elle m'a emmené dans son arrière-boutique. Bon, on a un peu discuté, puis elle m'a montré sa collection de thé vert. Bah, je peux te dire une chose, c'est que le thé vert de Galliano Island, je suis mieux parti pour le goûter plus souvent. Eh, hey, tu dégaines plus vite que ton ombre, toi. Hein. Bobby la pointe. Bon, alors, on fait, là. Ouais, on arrive, on arrive. Et, Laure, comment bah, ça se passe? Laure, on est flexible pour ces choses-là. Flexible? Ouais. Marc, hey. À Lucky Luke, croisé avec un Bobby la pointe, ouais. Putain, ça doit faire des ravages. Je te dis pas. Enfin, j'espère bien que ma cousine. Oh, puis c'est pour mes affaires. Hein. Ah, bonjour! Eh, hey, comment qu'elle va, notre copine de Bill Gates? Ah. Bonjour, Marc. Bonjour. Liz. Enchanté. Là, on m'a dit que vous étiez sur l'île pour la semaine. Oui, on est venu envahir Cyril et Laure pour une semaine. Yeah. Bienvenue sur Galliano.
Merci. Vous allez voir, c'est un coin de paradis. T'es là pour le reste du mois? Non, c'est moi, je suis ici jusqu'à la fin des beaux jours. Vous êtes québécoise? Oui, québécoise. Mais qui s'est perdue à Seattle. Mais mon père vient de la France. Ouais, encore une 4A Airbus en s'installer au pays de Boeing. Arrête, Cyril, j'ai pas trahi Airbus. J'ai suivi mon homme qui est venu travailler à Seattle. Chez Boeing, effectivement. Mm-hmm. T'en fais pas, Liz. Il nous a fait toute une leçon sur le Paneland cet après-midi, alors. Monsieur Cyril ne changera donc jamais, hein? Tiens, pour changer les idées, ça vous dirait un tour de canot en fin d'après-midi? Ben oui, ce serait cool. Tiens, voilà notre guide qui reprend du service. Vous allez voir, elle va vous en faire voir du pays. Et nous, on attend que ça, nous, hein? Tu m'énerves, tu dis toujours la même chose. Rame de l'autre côté, nom de Dieu! Mais je rame de l'autre côté, oh! Mais non! Par là, par là, par là, là, de l'autre côté, là. Oh! Il y a le siège de ton bateau qui fait des courbes! Ouais, mais c'est facile de frimer le toit hors bord! Allez, rame! Rame-leur! Il aura tout fallu pour qu'on rentre au port à l'heure. Heureusement que j'ai pris les commandes. Ouais, ben on a mis 3 fois plus de temps qu'à l'aller, alors ça va. Oui, oui, mon gros nounours. M'appelle pas mon gros nounours. Mais oui, je fous de ma gueule. Mais non, je me fous pas de ta gueule. Je fous de ma gueule, je te dis. Rire à tout vouloir diriger. Vous allez quand même pas recommencer. Allez, non, on va pas recommencer. Ça m'a donné faim, c'est sur un canot. Ben ça tombe bien, ce soir, gambas au safran. Liz, ça te dit de venir manger? Que tu fais? Merci. Moi, j'ai toujours une fascination pour les peintres. Peintre? Wow! Je suis pas peintre. C'est plus un hobby. J'adore comment les motifs des Premières Nations se dessinent. C'est drôle parce qu'il y a des règles très précises, puis souvent, il y a des formes géométriques qui se répètent. Moi, je pourrais pas rester comme ça des heures devant une feuille. C'est quoi tu parles? Tu restes des heures devant ton livre. Oui, mais c'est pas pareil. Tu découvres des histoires, des personnages. C'est quoi ton livre? En fait, c'est un bouquin sur 3 femmes et elles se pètent toute la gueule avec leur mec. Mmh. Mmh. Ça doit être la fatalité des femmes. Je suis pas sûre que ça soit réservé aux femmes, ces histoires-là. Mais pourtant...
Je pensais que vous aviez trouvé votre équilibre avec Cyril. Bon, tu sais, on fait beau commun dans la vie de tous les jours et on s'éclate chacun de notre côté. Ouais. Ça semble intéressant, non? Et toi, Noémie, donne-nous des détails croustillants. Des détails croustillants. J'ai pas de détails croustillants. Lise, tu l'as trouvé, l'homme? Moi? Je cherche, mais l'île est petite et ça n'arrange rien. Il va y avoir du touriste à gogo. Oh, crois-moi, j'ai mis mes petits radars en écoute permanente. Mais il n'y a pas beaucoup d'avions alpha mâle qui passent par là. Oh, mais je crois pas que tu vas être embarqué avec un alpha mâle de toute manière. Je sais pas. Moi, ce que je veux, c'est... Les filles, je sais même pas ce que je veux. La dernière fois que j'ai mangé un aussi bon plat de fruits de mer, c'était aux Antilles, au Club Med. Oh, t'aurais vu les gambas à la créole, super. Non. Moi, mon dernier super souvenir de bon souper, c'était en Toscane. Dans une petite auberge en revenant sur France. Tu t'appelles Marc? Magnifique. Le pays de la slow food. C'est un super bon. Simple, super bon. J'ai un souvenir ému d'une soupe aux courgettes délicieuse. Slow food, c'est quoi ce truc-là? Tu connais pas la slow food? Bah non, je connais pas la slow food, puis je me porte bien, merci madame. Est-ce que tu connais le charcutier sur Granville Island? C'est pas moi qui fais les courses. Bon, ben... ben, en fait, la slow food, c'est le contraire de la fast food. L'idée, c'est de manger moins, mais de meilleure qualité. Ah, c'est un truc de bourgeois, quoi. Là, voilà qu'ils passent dans l'opposition. Oh. On aura tout vu. Elles sont comment, mes gambas? Elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes. Bonnes. Regarde comment elles se sont faites vite manger. Hey, c'est quoi le programme pour demain? Moi, je sens que je vais m'incruster ici. Hein. C'est une bonne maison pour une âme seule. Je sais pas, j'irai bien explorer le reste de l'île. On a vu une falaise quand on est arrivé. Il doit y avoir une vue superbe de là-haut. Marcher? Vous voulez marcher? Oh non. C'est super beau de ce côté-là. Et je connais une balade, mes amis. Désolé, mais moi, vous allez faire sans moi. J'ai un rapport financier à terminer, alors je vais rester à la maison. Mais tu dois en profiter, là. Tu sais, c'est pas non plus la montée du Tourmalet. Hein. Allez, tu devrais vraiment venir, là. On va vraiment avoir du plaisir, puis tu vas avoir une récompense quand on va redescendre. C'est moi qui cuisine demain. Je suis morte. C'était une bonne journée quand même. Hein? Ah ouais, c'est bien ici. Hein? Elle est cool, Lise. Ouais. Ouais, elle a l'air cool. Est-ce qu'il y aurait, par hasard, un alpha mâle dans les environs? Un alpha mâle? Ben oui, un mâle. Un homme, un vrai, quoi. Un qui fait détourner les femmes sur son passage. Un qui a tellement confiance en lui qu'il peut arriver en retard, passer devant tout le monde, sans même regarder personne. Un dont on attend l'approbation pour rire à une blague stupide. Un qui sait orienter la conversation vers ses intérêts.
un qui a tellement de... C'est qui ça? C'est ta future conquête ou quoi? Non. Non. Je te laisse. C'est Lise qui parle de toi. Lise Alpha. Moi, de toute manière, là, on le sait, hein. Je suis juste le petit chaperon. Je m'en rappelle, là. J'avais oublié que je m'étais fait enfumer la dernière fois. Oh. Oh là, il est pas mal. Ça me fait penser à une amie qui fait des dessins pour mes livres. Elle arrête pas de me travailler comme ça, avec son appareil photo. Puis après, elle s'en fait pendant une semaine telle une ermite. L'ermite, c'est bien trouvé. Je peux te dire que Noémie, quand elle commence à dessiner, le ciel lui est tombé sur la tête, elle continue. Ah oui. Et c'est pas Astérix et les Gaulois. Ça doit être sa culture américaine. Vous êtes juste jaloux parce que je viens de San Francisco. Heureusement que Cyril est resté à la maison parce qu'on en aurait entendu sur ce couplet. Bon, on y va. Allez, c'est go. Prêt? C'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, Laure! On est bientôt arrivés, de toute façon! Oui, oui, je la connais. Je vous la fais toutes les années. Ça, prends-moi pour une imbécile. Marc? Ouais, il est sympathique. Il est sympathique, qu'elle dise la petite Lise. Et jusqu'où ça peut aller, la sympathie? Hey, c'est vraiment beau, hein? Waouh! Je pense avoir un peu la dalle, moi. Vous avez faim? Ouais. Bon, ben, ça tombe bien. Notre chef cuistot gallianoise nous propose ce soir en dessert sa spécialité. Les meilleurs soufflés au chocolat de la côte ouest. Oh! Merci d'être venu. Et vous allez voir. Et je ne vous révèle pas avant ce soir mes petits secrets d'ingrédients. On va pas voir nos secrets parce que je veux dire, moi je sais faire les. Qu'est-ce que je. Il y a deux choses en fait. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est les corps fondants au chocolat. Les corps fondants au chocolat. Et les crêpes au chocolat. Donc en termes de chocolat. Non, attendez. C'est pas pareil. Quand elle les fait, ça fond dans la bouche. Oh! On a tellement une courbe. Oui! Vous allez voir. Oh, je pense que je vais par là. Ben alors les marcheurs? On est crevés. Vous en avez laissé une en chemin ou quoi là? Non, non, Lise est passée à la maison. Elle nous rejoint pour le repas de ce soir. Tu vas être content. Il nous fait sa spécialité. Oh, ça c'est super, le soufflé au chocolat de Lise. Oh, ça c'est de la bonne pâtisserie française. Parce qu'ici les gâteaux, franchement, ils savent pas faire. Hein. On a
Tu connais Sweet Obsession? Bah non. Ah ben, va faire un tour à Sweet Obsession, c'est sur la 16e et McDonald's. Ouais, là, le marqueur commence sa canadianisation, là. Non, mais c'est juste pour dire. Oh mon gars, sur les rotules, une bombe sexuelle, la dame au thé vert. Bah j'espère que tu vas pas passer vers ma gauche, quand même. Non, je te dis pas, mais je suis allé vers 14h et... Alors, le rapport financier? Ouais, ouais, c'est bon. Et ouais, je te disais, je suis allé vers 14h et il y avait qu'elle et moi dans le restaurant. Oh, mon ami. Et le Cyril, tel The Lucky Luke, à la voix Bobby Lapointe, et tous les deux, ils allaient compter et fleurettes à la dame au thé vert. Non, non, mais attends, une pompe comme ça, t'en croises pas tous les jours. Alors, elle a commencé à... Non. Un peu de privacy. J'ai pas forcément envie de connaître toutes les frasques de mon cousin par alliance, moi. Et tu nous l'es prude, maintenant. Ouais. Un vrai Canadien, il n'y a pas à dire. Hein. Qu'est-ce que tu lui racontes encore? Non, rien, des conneries, des conneries. Bon, on va mettre la table. Tu dois avoir faim après tous ces chiffres cet après-midi. Hey, mais ces brochettes de fruits de mer, c'était vraiment, mais vraiment bon. Ah oui, ça vaut tous les plaisirs de la terre. La bouffe, il n'y a pas à dire. Ça, c'est vrai. Mon père, il nous disait toujours, une bonne bouffe et une bonne... Enfin... Tout le reste. Et tout le monde est content. Eh ben, ton père, c'était un homme sage, hein, puis je suis tout à fait d'accord avec lui, surtout pour la bonne... Enfin, le reste. Tu sais, d'ailleurs, mon pauvre Cyril, t'as dû être frustré tout cet après-midi. Se farcir un rapport financier, en vacances, avec toutes les petites touristes qui vagabondent sur l'île. Intenable que ça a dû être. Quand il faut, hein. C'est marrant, quand je t'ai appelé en milieu d'après-midi, tu devais être complètement absorbé par ta lecture. Tu m'as appelé? Bah oui. D'abord sur ton portable, mais... Bon, t'avais dû l'éteindre pour que personne ne te dérange. Ensuite à la maison, mais là aussi pas de réponse. C'est quoi que tu disais à Marc? Avec le thé vert, là? Ton rapport financier est écrit sur des feuilles de thé vert que t'as dû déplier toute l'après-midi. Ouais, ça prend du temps, ça. Ça empêche de venir marcher. Et les cocos? Wow. Oh. Êtes-vous prêts pour les souffler au chocolat? Je veux. Wow. Oh, mais ça... Ils ont mis une feu à la baraque, hein? Ça, c'est sûr. Je vais pas me vanter, mais je l'ai réussi bien. T'as pris où à les faire? C'est avec ma mère, quand on était petite. Marc, mais je voulais dire que... En fait, que... Je te trouvais plein de charme. Puis que, en fait, je me disais que. Ben, qu'on pourrait peut-être. Je sais pas si. Je sais pas quoi te dire, moi. Je...
Non, mais attends, je peux te gêner. Non, mais tu me gênes pas. Non, c'est juste que tu me prends un peu par surprise, quoi. Moi aussi, en fait. Oui. Allons, les amoureux. Lise, ma petite Lise, tu es une magicienne du chocolat. T'es soufflée. Ah, t'es soufflée, ça vaut tous les thés verts de l'île. Eh, ça doit être sympa la plage là le matin. Oh, ici, c'est magique. Bah écoute, demain je t'amène des croissants sur la plage. D'accord. Oh, je sais pas vous là, mais... Ils ont pas de croissants, ils ont des muffins. On est au Canada ici. Je trouverai des muffins. D'accord. Je serai demain matin sur la plage. Oh, mais je sais pas vous là, mais... Je tiens plus debout. Je vais me coucher. Oh, c'est une bonne idée. Je suis canée. Lise, tu passes vers 10h30? Oui, c'est parfait, oui. Ouais, si on veut aller à la plage du Cap Nord, il faut du temps pour y arriver. Oui, 10h30, okay. C'est parfait. Cool. Puis, de toute façon, moi, j'ai mon pâtissier qui m'amène mes croissants demain matin. Tes muffins. Hey, ces soufflés au chocolat, ils étaient tellement bons. Lise, c'est vraiment une bonne chef, hein? Ouais. Moi, j'en ai ma claque, là. Je tiens plus debout. Moi aussi, hein. Je sais pas, ça va être l'air marin ou... Enfin, je veux dire, les muffins. Ça tient toujours? J'étais à ce matin, sur la plage. Mais il n'y a personne. Je veux dire, j'aurais du mal à te les amener. Hein. J'ai pas dormi de la nuit. Hein. Ça, tu sais, ça peut être les souffles qui sont restés sur l'estomac. Hein? Non, c'est pas les souffles au chocolat. Il faudra en faire plus souvent, d'ailleurs, je veux dire. Non, ouais, c'était sympa. Ouais. Hey, Marc. Hein? C'est pas ici qu'il y avait les roches sculptées? Oui, les pétroglyphes. Oui. Ouais. C'est des pétroglyphes. C'est des dessins qui sont sculptés sur des roches. Ça date des hommes préhistoriques. Mais ça, c'est pas un peu comme dans les grottes de Lascaux? Non. Pas
pas tout à fait, non. À Lascaux, c'est plus comme des images de chasse, puis des images de tous les jours. Mais ça, ça a plus comme signification religieuse. Ah. Je suis pas une experte non plus. Si, t'es une experte. Non, c'est superbe. J'espère bien qu'on va revoir, parce que c'est vraiment un truc caractéristique du coin. Hein. C'est ouais, superbe. Ouais. Non, c'est chouette, ouais. Ah, vache. Ah! Putain, ça caille, c'est pas la Méditerranée ici. Hein? Mais il est jamais content! Aïe! C'est froid! Tu sais, pour hier, tu peux pas savoir comme j'ai envie de t'embrasser. Ah, c'est... Il y a une partie de moi qui me dit que ce serait super. Puis... Puis une autre... Il y a une autre partie de moi qui me dit qu'avec, qu'avec Noémie, on a... je sais pas... tu sais, on a une, comme une sorte de relation particulière... que je, non, je sais pas je comment. Mais... Je comprends bien, je comprends. Mais mademoiselle Noémie, elle a beaucoup de chance d'avoir un gars comme toi. Je peux te dire que je peux être super chiant. Ce sera la première à te le dire, Noémie. Mais non, et parfois je me dis. Je sais pas, écoute, ça pourrait être simple. T'as une super minette qui rencontre un mec pendant les vacances et. Non, je pense que c'est. Écoute, écoute, je te répète. Que Noémie, elle a beaucoup de chance d'avoir un gars comme toi. Puis, de toute façon, il y a toujours l'île. Ma compagnie, tout le monde est là. Ouais, ouais. Tout ça, ça continue. Ouais, non, ça c'est sûr. Mmh. Allez, on va voir les autres. Ouais. Putain, c'est super beau ici! Regardez la créature des monstres des mers! C'est dingue ça! C'est même pas protégé! Je te dis pas, ça serait en France, ça serait déjà entouré de barrières! Ben comme à Carnac! Tu te rappelles quand tu venais me voir au tout début, quand j'ai été à Louison-Bobet? On pouvait se promener entre les dolmens et les menhirs. J'ai lu un article dans le journal comme quoi ils avaient tout entouré de grillages maintenant! Bah, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a plus de monde à Carnac qu'à. La plage du Cap Nord de Galliano Island, c'est tout. Waouh. Hey, mais vous avez vu ces trois-là? Mais c'est quoi qu'ils font? C'est encore des dieux en train de se tenir par la queue qui sortent des eaux. Mais enfin, tu vois le mal de partout, toi. Vraiment, il n'y a pas de mal à voir ici? Regarde, j'invente rien. Là, avec leur tête pleine d'écailles et puis leurs bras qui passent entre leurs jambes. En tout cas, les dieux, ils devaient avoir bien du plaisir ici. Hein? Puis ces deux-là, là, c'est pas un petit escargot qu'ils ont. Hein? Non, mais attends, à cette époque-là, il y avait un courant d'eau chaude tout le long des côtes, là, ici. Là. Ah! Il y avait un courant qui venait direct d'Hawaï. Bien sûr! Okay, c'est pas des petits escargots qu'ils avaient, effectivement, les mecs, là. Ouais, enfin, moi, ce que je vois, c'est que la déesse, là, elle a l'air bien occupée avec ses deux Apollons. Ben, elle a bien de la chance, elle. Hein? T'es malade, Laure? Hein? La nature, ici, c'est grand. Et puis, la gêne féminine, elle a tout compris, alors... Qu'est-ce que tu racontes, là? Ah, c'est les dessins sur les rochers qui n'ont pas digéré. Une femme qui se fait immortaliser avec deux hommes. Il y en a qui savent vivre. Comment ça?
toi. Oh, j'ai été réveillé tôt ce matin. Hein. T'es qui, c'est excité, là, qui tapait comme un sonneur? J'en sais rien, mais moi, il m'a réveillé puis j'ai pas pu me rendormir. C'est pas possible dans ce putain de pays. Ils se couchent comme des poules. Ils mangent à 5 heures. Alors, je te dis pas le matin, c'est des vrais ébulons. Merci. Ah, mais t'es allé où, hein? Il t'a pas réveillé, le gars, avec son marteau? Non. Non, je suis allé faire un tour. Et j'ai une super idée. Et si on faisait une soirée crêpe ce soir avec tout le monde? Mais ça y était pas, ça, hier soir? Putain, ne me dis pas que le blaireau qui tapait comme un sonneur, c'était toi? Non, mais en fait, c'est... Quand j'ai vu le tas de bois hier soir, là, ça m'a rappelé quand j'étais en vacances avec mes parents et ma sœur, et on était à la montagne, j'adorais fendre le bois. Attends, t'en as beaucoup des souvenirs d'enfance comme ça? Parce que tu peux les exprimer un peu plus tard, hein, ça serait cool. Hein. Bon, ton DG, au moins, il aura du bois pour 6 heures. Ouais, attends. Tiens, tu vois, Cyril, il fait partie de la slow food. Ouais, bah c'est encore un de ces babas cool. Allez, viens voir ces légumes au lieu de faire ton bouillon. Ah, j'ai une patate ce matin. Les bûches ont compris leur douleur, mon amour. Elle est sympa, Lise. Oui, vraiment. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aime vraiment son dynamisme. Il y a beaucoup d'énergie, c'est plaisant. Non, on a bien fait de la rencontrer. Hein. Mm-hmm. Puis elle est plutôt bien faite de sa personne. Hein. C'est un petit canon. Mais vas-y, tente ta chance, que ça nous va. En fait, je voulais... Oui. Je voulais te faire une proposition. Mm-hmm. Je pense qu'ils ont fini. C'est quoi ta proposition? Ça te dirait de jouer les déesses de Galeno? Mais quoi? En fait, ça te dirait de faire un truc à trois avec Lise? C'est quoi, c'est Cyril qui te met des idées dans la tête demain? Je pense pas que ce soit une bonne idée pour notre couple, puis... Ouais, t'es drôle, toi. Non, j'ai pas le goût de faire de quoi à trois avec Lise. Puis de toute manière, on le ferait où? Allô? C'est bon? Ouais. OK. Herb. Oui, merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? T'es bien silencieux. Je crevais. Ah bah. Et voilà que je joue les cadors le matin, je me lève de bonne heure, je joue les bûcherons canadiens, je coupe du bois, et puis le soir, y'a plus personne. Hein. Putain, t'as raison, on veut plus. Hein. C'est quoi ces histoires-là? Il veut pas nous faire cette petite mauviette? Ah, oh, mais c'est fragile, ces petites bêtes-là, hein? Ça bûche du bois pendant 2 heures, puis après, ben, tu peux plus rien en tirer. Non, moi, lui, il fend du bois. Il se fait les muscles. Ben, tu sais, Laure, hein, c'est bien beau, les muscles, mais s'il y a rien dans la tête... Ah, ben, tu vois, c'est pas la peine que je fasse mal au dos. Est-ce que vous saviez que fendre du bois peut avoir des réactions secondaires assez surprenantes? La première, c'est que ton DG, il aura du bois pour tout l'hiver. Oui, ça, c'est la réaction primaire. Dans toute expérimentation, il y a toujours ce qu'on voit en premier. Puis ensuite, ben, il faut toujours pousser un petit peu plus loin. C'est la théorie connue du bûcheron canadien. Le fameux bûcheron canadien fend des bûches et a comme réaction secondaire une duplication de tout ce qui lui touche de près. Ben, je sais pas où tu nous emmènes, mais alors, on y va. Mais pourtant, moi, je connais des bûcherons canadiens, ils fendent du bois, mais ils dupliquent pas. Oui, Lise, il y a toujours des cas isolés, hein. Origine française sur terre canadienne, ça fausse toutes les statistiques. Le premier symptôme que l'on peut observer se passe
habituellement 3 heures après l'arrêt du fendage de bois. Le bûcheron canadien, qui se trouve en contact avec un environnement campagnard, par exemple, un marché dans une ferme de slow food, subit un changement de personnalité, se transporte au pays des mille et une nuits et se voit déjà à la tête d'un harem. Hey, Marc, passe-moi ta hache. Cyril, faut faire attention, hein, parce que le bûcheron canadien mutant, mais il est sur le fil du rasoir. Oh. Ben, dis donc, Noémie, tu sais que tu pourrais écrire des livres de science-fiction, toi? Lise, parfois la réalité dépasse la fiction. Une réaction chimique équilibrée dépend toujours d'un état de départ stable qui peut ensuite évoluer vers une phase de mutation. Je dois avouer que ma vision du bûcheron canadien était plus traditionnelle. Mmh. La tradition. Toujours du bon et du mauvais, là. Mais moi, je pense que mon cher mari, ouais, il devrait réfléchir deux fois avant de fendre du bois. Parce que c'est bien beau les mutations, là, mais avec modération. C'est beau les crêpes, hein? Crêpes! T'es vraiment bonne, hein? Avec les crêpes, on peut pas se tromper. Hein? Ah, ça, c'est bon. Aussi, c'est différent. Par rapport à la soirée des soufflés au chocolat, d'ailleurs. Oui. J'ai peut-être une solution. Oui. Une solution? Enfin bon, ce que je t'ai dit par rapport à Noémie, ça tient toujours. Ok. Et? Je pensais que ça pourrait être rigolo si on pouvait faire un truc avec toi et puis Noémie. Quoi? Tu voudrais dire qu'on serait toutes les deux? Ben ouais. Enfin, quand je dis que ça pourrait être rigolo, c'est... Ben rigolo. Oh, ouais. Mais elle a dit quoi, Noémie? Oh, Noémie, elle est ouverte. Elle est ouverte? Mais comment elle réagirait cette way avec une autre femme? On n'a jamais eu l'occasion de... On n'a jamais fait ça. Oh. Attends, je... Ben, tu prends une idée, toi? C'est... Moi, personnellement, je sais pas comment je réagirais si je voyais mon homme dans les bras d'une autre. Tu me mets un peu... Je m'attendais pas à ça. Ah bon, je vais pas te prendre la tête avec ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que... En 2 jours, je passe du gars... qui veut pas tromper sa femme, ce que moi, je respecte totalement. Au même gars qui veut faire un trip à toi avec sa femme et moi. C'est une adaptation. Ouais, tu comprends? Je sais pas si je vais être capable de dormir avec ce que tu viens de me dire. Je suis désolée. Non, sois pas désolée. Je m'attendais... Tu me mets un peu... Je m'attendais pas à ça. Je vais aller... Je rentre. Bon. Allez-moi. Thank you.
Oh. Eh bien, c'est un bon petit déjeuner canadien, ça. Petit déjeuner, mais voyons donc, il est 11h, c'est beaucoup plus un brunch en ce moment. Ouais, bah, brunch ou petit déjeuner, ça vaut pas une bonne baguette hein. Mmh. Et un petit croissant. Hein. Mmh. C'est pas comme à Pas de Quibon, là, tu sais, dehors, l'île où on est allé, là. Groix, Belle-Île? Non, 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 ça sentait le pain avant de. Avant de voir la boulangerie. What? Il boit. Ah, oui. Oh, j'en ai encore les papilles gustatives là qui salivent. Ici, il n'y a pas de bon pain. Ah oh, ben là, je m'excuse, mais le pain de chez Terra Bread, c'est bien ce qui se fait de meilleur. Hein, Marc? Mm-hmm. Oh oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? T'es malade? Ben non, j'aime bien les brunchs, moi. Voilà. T'es pas content? T'as pas coupé ton bois ce matin, pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Lise qui dit qu'elle passait vers 11h. Toi, tu voulais faire quoi aujourd'hui? Moi, j'ai plutôt envie de rester par là aujourd'hui. Moi, je vais au musée. Moi, je vais me reposer. Tu vas au musée? Mais tu vas jamais au musée. T'es malade? Non. Non, je suis pas malade, mais j'ai vu qu'ils avaient des reproductions des dessins qu'on a vus sur les rochers. Là. Alors, puis comme ça, j'en profiterai pour passer... au port pour prendre les billets pour le ferry. Mais c'est pas pressé, ça. Bah non, mais comme ça, ça sera fait. Et puis, je peux pas faire ce que je veux maintenant. Ah bon, si, si, vas-y. Tu pourras voir s'il n'y a pas des petites boulangeries sur l'île aussi. Ben moi, j'ai le goût de rester dans les alentours, mais j'ai pas nécessairement le goût de rester ici, là. Tu peux peut-être aller sur la petite plage de la dernière fois. Oh, ouais. Tu sais, celle du Panéland. Ça y est, tu te réveilles. Tu vas au village avec moi? Oh non, je préfère rester par là. Salut tout le monde! Salut! Salut! C'est bien dormi? Oui, oui, toi? Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Il n'y aurait pas des candidats pour venir à la plage avec moi aujourd'hui? Oh, mais moi, je veux bien! Ah, excuse-moi. Oui, quand il fait beau ici, faut en profiter. C'est l'adage de la côte ouest. T'as un rayon de soleil, tu te dépêches pour l'attraper parce que tu sais jamais quand il va revenir, hein? Mm. Je pense que vous allez être toutes les deux, les Miss. Notre série nationale s'est découvert une passion pour les rochers sculptés. Mm. Les pétroglyphes, madame. Mm. En plus, il retient sa leçon. Hein, ça vous change un homme, le contact avec la science. Mm? Mais où tu vas? Au musée. Au musée. Moi, j'ai pas envie d'aller au musée. Mmh. Viens à la plage avec moi, on va se faire bronzer toute la journée. Mmh. Et je connais un endroit magnifique. C'est parfait. Donc, on y va? Mmh. Oui? Bon, ça y est. Tu vas recommencer à dessiner? Ouais, c'est juste des esquisses. Wow! Moi, je suis nulle en dessin. C'est parfait, c'est parce que si tu peux pas dessiner, tu vas poser pour moi. Ouais. Thank you.
Hi. How are you doing? Good, thanks. Can I get you something to drink? Yes, we've got our Pints on Special House, $6.95, light or dark. Can I get you a pint? Green tea? Do you have green tea? Yes. Yeah. Yeah. Let me get that for you. Alors, les miss, elle était bien votre après-midi? Oh, ouais, ça fait du bien, bon soleil comme ça. Faut en profiter pendant l'été ici, hein? Lise, elle nous a amenés dans un coin super tranquille et on a fait les vrais lézards. Toi, musée? Ah, fantastique. Il regorge de pièces intéressantes et j'ai appris beaucoup de choses. Je me coucherai moins bête ce soir. Mais ça changera les autres soirs! C'est pas possible, toujours qu'elle me les casse, celle-là. Elle est comme, comme il l'appelle, Bryce the Nice. Ouais, elle nous a toutes faites. Hein. Elle est cassée, baby cassée, Bryce the Nice. Hein. Alors, les deux naïades, elles ont passé une bonne journée? Eh hey, oui. On a travaillé notre bronzage toute la journée. Il va falloir retenir les beaux mecs de l'île. Ils vont nous les croquer, nos deux sirènes, maintenant. Vous avez soif? Rentrez! T'as passé une belle journée, ça va mieux? Ouais, je me suis fait une petite balade. Et toi? Oh, moi, c'était tellement bien, là. Lise, elle nous a amenés dans un coin super tranquille. C'était merveilleux. Bon, moi, j'en ai profité pour me reposer et vous faire un petit plat à la provençale. Mais qu'est-ce que t'as, Cyril? Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'es malade? Ça doit être la surexposition sculpture du musée cet après-midi? Tu te canadianises, mon amour? On va dire ça. Noémie, tu me donnes un coup de main à la cuisine? Ah oui, j'arrive. J'ai tellement soif. Cheers! Dernière soirée. À la vôtre. Oh, c'est parfait. Alors, tu nous as gâté. Tu sais, ça, après un certain âge, quand tu te retrouves toute seule, tu t'inventes des occupations. J'ai pas mon travail ici, alors je me rabats sur la cuisine. Mm-hmm. Tu disais pas que c'est pas ton père qui disait qu'il évoquait la bonne bouffe comme quelque chose d'essentiel dans la vie? Oui, la bouffe est sexe. Oh. Ça, la bouffe, c'est sûr, mais... Parce que le sexe... Ça aussi, c'est important. Ben oui. Super important. Marc, t'as déjà trompé ta femme? Non. Puis toi, là, est-ce que t'as déjà fait de l'amour avec Cyril et une autre femme? T'en as beaucoup comme ça? Je sais pas, là. Je crois que dans la vie, il faut être ouvert. Oh. Si l'occasion s'était présentée, si l'occasion s'était présentée... Si l'occasion se présente, un truc comme ça, tu fonces. Enfin, moi, je fonce, en tout cas. Puis toi, Marc, est-ce que t'as déjà eu des idées comme ça? Pour être franche, je pense que je serais partante avec un couple. Faudrait que je sache que l'autre femme soit complètement d'accord. Oui, c'est primordial, sinon... Sinon quoi? Sinon... It's a disaster.
Surtout si on y va à l'aveuglette. Ah bah c'est sympa l'aveuglette, on marche à tétons. Ah ah, c'est drôle. Elle est bonne. Elle est bonne, c'est elle. Elle est vraiment bonne. Bon écoutez, pour clôturer ce repas et un séjour si agréable, cet après-midi j'ai épaulé l'or au fourneau et je me suis essayé à une petite recette au chocolat. Cœur fondant au chocolat. Ben écoute, si tu nous prends par les sentiments, attends, on y va. Attends. T'as dit cœur fondant au chocolat en plus. Alors là, Marc, j'ai peur d'être dépassé. Ah non, non. Des soufflés au chocolat, c'est le top du top. Non, c'est le summum de l'art culinaire. C'est un peu comme les relations amoureuses. À surveiller en permanence et en perpétuelle ébullition. Tu l'agites trop, il retombe. Tu le laisses reposer trop longtemps, il monte pas. Non, non, mais les cœurs fondants. T'as une recette, tu la suis, tu les as. Ah bah ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah bah. Dans la vie, faut pas se casser la tête. Tu suis ta recette et puis tu fonces. On veut les desserts. On veut les desserts. On veut les desserts. Sortez en cuisine, on envoie les cœurs fondants pour la 8. Les cœurs fondants, j'arrive. Merveilleux repas, ces cœurs fondants au chocolat. Tu l'as pris où la recette, Marc? Dans un Marie Claire, dans un côté ouest de l'or. Oh, mon cuisinier philosophe, t'as des talents cachés partout. Hein? Et t'en sors souvent des surprises comme ça, ton homme? Parce que. En fait, j'aimerais vous poser une question à vous deux. J'aimerais savoir si vous vous êtes parlé de. Moi aussi, j'aimerais vous poser une question. Vous en êtes parlé de. Ouais, de quoi vous parlez? Bon, attends. À table. Laure, est-ce que t'as déjà fait l'amour avec une femme et Cyril? Et puis toi, oui, moi ça me dirait bien d'aller faire un autre couple, mais il faudrait vraiment que je sache si notre femme est d'accord. Puis moi, je fais quoi dans l'histoire? Je joue du pipeau ou je distribue les cartes, là? Non, parce que la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai pas vraiment eu l'impression de vous enchanter avec mes propositions de trucs à trois. En fait, oui, on s'en est parlé, Lise, puis... Quand tu me demandes s'il me fait souvent des surprises comme ça, ben ça, ça en était toute une. Puis, oui, tu sacrée marque, hein? Je te dirais pas, mais on était en plein milieu du marché, entre le fromage de chèvre slow food et la salade, puis Cyril en arrière qui arrive, puis regarde, c'était parfait, hein? Ouais. Oh. Mais, toi, Noémie, t'en penses quoi? Je sais pas, là. C'est sûr que ça fait envie. T'as raison. Si on utilisait la méthode l'or. C'est quoi la méthode l'or? Si l'occasion se présente... tu fonces? Bah, oui. Non, ça c'est la recette de Cyril. Et ça paraît tellement simple quand il en parle. Ben là, on restera pas planté devant la maison comme ça toute la nuit. Ben non, tu viens, Lise, on te raccompagne. Oui. Attendez. J'arrive pas à dormir. Je peux venir avec vous? Alors, écoute, Cyril, moi, j'avais l'intention de montrer les esquisses que j'avais fait de Lise ce soir, donc... Tu m'as pas dit que t'étais crevé? Si, mais comme ça, je pourrais te faire la bise avant que tu t'en ailles. Oh, mais non, Cyril. Tu penses bien que je passerai demain pour te dire au revoir? Cyril. Hein? Tu vas où? Je vais prendre l'air. Cyril, tu viens de coucher? Ouais, j'arrive.
T'es où? Cyril! Putain, Cyril, qu'est-ce que tu fous, là? Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu étais tombé à l'eau. T'es pas avec tes deux DS? Comment ça que je fais avec mes deux DS? Ça veut dire quoi, ça? Non, mais pour qui tu te prends? Je cours comme un malade. Parce que quand t'es sorti de la maison, vu la tête que t'avais, t'avais vraiment pas l'air dans tes baskets. Et j'arrive là, je t'appelle pendant 10 minutes. Tu crois que t'aurais répondu? Mais tu parles, ouais. Et en plus, faudrait que je m'excuse d'être là. Ouais, bah... Mais tu sais que tu commences à me les brouter, moi, hein? T'es jamais content? T'es toujours en train de donner des leçons à tout le monde? Je t'ai pas demandé de venir. Tu m'as pas demandé de venir? Mais ça veut dire quoi, ça? J'ai quand même pas à attendre que tu me demandes de venir. Mais qu'est-ce que t'as, là? T'as rien, t'as vu la tête que t'as, on dirait que tu vas te balancer à l'eau. C'est l'or. Ça va pas. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est... Il est où le fanfaron là? Avec le pain des Landes et, le... et les petits croissants du matin. Allez, viens là. Ta femme, elle est à la maison. Ouais. Allez. T'as raison. Viens. Tu crois que ça m'amuse, moi, de vous voir comme des tourtereaux? C'est ce que c'est, toi? Deux étrangers qui sous le même toit? Ben... C'est moi. Et puis l'or. Un matin, là, comme ça, tout d'un coup, elle a décidé que les galipettes, bah, c'était fini. Il fallait plus que je compte sur elle. Je peux te dire que quand t'as 45 balais et puis que t'aimes ta femme, t'as les boules. Je croyais que vous étiez flexible. Coup du thé vert de Galliano Island, ouais. Vous connaissez l'histoire du mec qui a une grande gueule et qui pisse pas loin? Il est là. Il m'a pas foutu de me foutre à l'eau. Pas de foutre à l'eau pour une connerie comme ça, quand même. Ouais, remarque, non. Elle est trop froide. Quand même. C'est nul. Faire tout ce foin, là. Dernier soir, comme ça. Mais non, t'es pas con. Et avec Laure, vous avez discuté? De la discussion naît la lumière. Ça, c'était ma grand-mère de Toulouse qui disait ça. T'as qu'à voir, les problèmes de relations, ça doit pas dire. Ouais, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout avec l'or. Je sais. Allez, viens, qu'elles vont s'inquiéter. Ouais. C'est bon, c'est tout bon. C'est bon, t'en as des bonnes, toi. Pas me regarder avec ses yeux de merlan frais. On disait avant de voir Cyril.
reste un reste de souffle au chocolat. Et que je voulais te montrer les esquisses que j'avais faites toi aussi. Ça, c'est des conneries parce que des souffles au chocolat, il n'y en a plus. Puis tes esquisses, elles sont dans la chambre. Oh, mais c'est pas des conneries. Oui, les esquisses sont dans la chambre, mais je vais vous les montrer, puis je veux votre opinion. En revoyant ces esquisses, je me replonge dans tous ces moments magiques. Je ferme les yeux et je réentends les rires, les histoires, le vent, le bruit des arbres et de la mer. Derrière mon côté un peu léger fanfaronne, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les instants que vous m'avez offerts et de la confiance que vous m'avez accordée. La redescente sur Terre va sans doute être difficile après un tel voyage dans l'espace. Mais cette bulle de magie a été un véritable rayon de soleil dans ma vie. Moi, qui souffre parfois de solitude, je vous regarde dormir tous les deux et j'admire la beauté qui se dégage de votre couple. Je me sens en même temps très émue, peut-être un peu fière même, que vous m'ayez accordé toute cette confiance. Merci. Merci pour ces instants magiques d'échange, d'épanouissement, qui donnent la force de continuer à aller à l'encontre des autres, qui nous surprennent comme ça, à des instants où on ne les attend pas. Je me sens pleine de tristesse parce qu'un peu isolée, mais tellement heureuse de vous avoir croisé sur mon chemin. Je vous souhaite de continuer à faire vivre votre couple avec autant de richesse. Je vous embrasse, Lise. Thank you.